toujours en train de voir tous ces faux prophètes qui avaient dit « Corona est fini ». Là, je vous dis, c'est grave. Parce que Corona continue à faire sa route. Quand tu n'as pas les yeux pour voir la prophétie, tu vas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes les 19. Dans deux jours, ça sera les 21. Cet homme qui est au Congo qui a dit, soi-disant, les gens vont mourir. Nous sommes en train de lui dire, c'est en fait l'information que tu as vue sur Google. Soi-disant, un astéroïde va passer tout près de la Terre. Soi-disant que les gens vont mourir. C'est toi qui l'as vu ainsi. Mais les astrologues, ils n'ont pas vu cela ainsi. Donc, il se pourrait que le 21 encore, messieurs, tu vas taper à côté. Mais malheureusement, les gens vont commencer toujours à te regarder. Mais on comprend que ces gens-là ne font pas partie de notre maison, ne font pas partie de notre famille. Tous ceux qui sont de notre famille n'ont pas peur de la date du 21 mars. Parce qu'ils savent que rien ne peut arriver à ce niveau-là, étant donné que moi je suis sur la terre, étant donné que toi tu es sur la terre, étant donné que ma famille sont sur la terre, c'est-à-dire étant donné que l'église est encore sur la terre, l'astéroïde ne peut pas frapper la terre pour que les gens meurent. Parce que les un tiers des gens qui vont mourir, ça sera dans la période où l'église est déjà partie. L'église est auprès du Seigneur et c'est là-bas que des comètes ou soit des astéroïdes vont commencer à frapper la terre. En tout cas, pas maintenant, tu n'as pas bien vu ta prophétie. Malheureusement, tu seras encore honteux dans deux jours. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19, demain, samedi 20 et dimanche, ça sera le 21. Rien ne va se passer. Je ne sais pas quelle honte si tu vas encore continuer avec tes bêtises. En tout cas, que tes journalistes et toutes ces personnes qui sont tout autour de toi t'aident. Je sais que tu nous regardes beaucoup parce que selon tes propos, ce sont les bien-aimés de la Belgique qui te dérangent beaucoup. Parmi ces bien-aimés, je suis là parce que je veux t'aider à retrouver le chemin que nous avons trouvé. Peut-être le Seigneur peut toujours te pardonner et tu vas nous suivre sur le chemin royal qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, la révélation des dieux dans la chair. C'est très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer dimanche à partir de 18h. Ne manquez pas ces grands enseignements. Merci beaucoup.